Aujourd'hui on est au lac Bleu, celui d'Arelat, hein, pas celui du canton de Berne, et on voulait vous le faire découvrir avec un paysage un petit peu automnal. Alors bah, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un petit peu blanc, et comme vous pouvez le voir encore plus là-bas, c'est un petit peu gelé. Normalement ça devait ressembler à ça, et bah, aujourd'hui ça ressemble à ça. On vous fait découvrir tout ça. Si vous n'êtes jamais venu ici, sachez qu'il faut compter environ 45 minutes pour monter, ça vaut vraiment la peine. Malheureusement aujourd'hui le lac il est gelé donc on ne peut pas voir la couleur bleue, mais on a les couleurs d'automne avec la neige, ça rend super bien. Il a quand même énormément neigé et dites-vous que là on est seulement le 5 novembre et il y a au moins un bon 20 cm de neige je dirais, voire 30 suivant les endroits. Alors les chemins ils sont déjà bien tracés, mais on a vraiment l'impression d'être sur les pistes de ski. Ouais, vraiment, sur les pistes de ski. Aujourd'hui on est confronté à un problème auquel on n'a jamais été confronté. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais quand on est arrivé, il y avait très peu de voitures sur le parking. On s'est dit c'est la fin des vacances scolaires, il ne devrait pas y avoir trop de monde. Malheureusement, tout d'un coup, il y a une quinzaine de voitures qui sont arrivées et c'est noir de monde. On peut se mettre nulle part et c'est pas à cause de la neige hein. C'est vraiment l'endroit est saturé. Si vous venez ici, que ce soit en été ou en hiver, on vous conseille vraiment de faire le tour du lac. Il y a plein de bancs, de tables, vous pouvez vous arrêter pour pique-niquer tout autour. Par contre, bah, n'oubliez pas de récupérer vos déchets parce qu'il n'y a pas de poubelle. Si vous voulez plus d'informations, il y a un lien qui se trouve dans la description. On espère que ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !